Je suis en train d'ouvrir les volets, regardez-moi ça, cette couche de glace. Ouais, non, ça va en fait. C'est très 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 léger, déjà ça n'a pas tenu au sol, c'est un petit peu sur les toits. Ok. Allez, mon Zaki, on descend, on va déjeuner. Coucou, mercredi matin, je viens de me lever. Je vais déjeuner, j'ai ouvert les volets et puis on va commencer cette journée ensemble. Oui. Bonjour. Je vois pas trop ce que c'est. J'attends plus de box, mais bon, on verra. Je vais mettre ça dans mon bureau déjà, puis je vais quand même déjeuner parce que j'ai toujours pas déjeuné. C'est quoi ça? Oh non. C'est le truc de McDo. Oh. Super. Oui, bah oui, oui, voilà. On est grillé. Ça s'est passé hier encore. Voilà, on va ouvrir ça ensemble. J'ai fini de déjeuner. J'ai une idée pour cet après-midi de tournage. C'est un moment où je voulais faire ça. C'est. En fait, en allant chez Action, je voudrais montrer des petits éléments décoratifs et des possibilités pour justement, pas les détourner, mais faire vraiment des décos. Ah, ok, bon, bah c'est la marque, je sais pas comment on dit, Save Paris. Hello, belle plante. Ah, et bah en fait, ils m'ont envoyé, je crois que c'est leur sérum. Il est composé de 98%. De l'extrait de mauve titré, de l'acide hyaluronique, on adore, d'origine, c'est fraîche de bouleau bio, génial, dis donc, ils ont fait ça bien, voilà, je vais pouvoir regarder tous leurs produits, je suppose que c'est un tote bag, on a un petit raton laveur, le pochon, donc ça va venir hydrater 24 heures et apaiser, lisser également, je vois, made in Paris with Palove, je vais tester tout ça. Merci à la marque en tout cas. Et ah oui, c'est Ivancy. Je l'ai reçu grâce à la plateforme. Ça y est, je suis prête. J'ai essayé le sérum, évidemment. Hein. Je l'aime déjà beaucoup. Ça s'appelle avoir un coup de cœur. Je vous en parlerai beaucoup plus après. Mais j'ai tellement l'habitude des sérums que celui-là, je sais pas, il a autre chose. Bon, en plus, l'odeur subtile, j'adore. Mais même à l'application, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, il est midi moins 10. Je file chez Action. Je ne sais plus si je vous ai parlé de mon projet. Si, je vous en ai parlé, vous allez me voir rapidement. Donc, on y va, je trouve que c'est la bonne heure, midi, il n'y a pas grand monde. Par contre, j'ai fait un test là. J'avais un doute sur un eyeliner qui me provoque des écoulements, en fait. J'ai arrêté de le mettre pendant 3-4 jours, ça allait mieux. Je l'ai remis aujourd'hui pour voir et de nouveau, ça repleure. Je sais que tu es là, bébé, je t'entends. Oui, et... Bah, c'est pas grave, tu peux faire ta vie. Hein. Et oui, donc, oui. En fait, bah, je vais arrêter de le mettre, mais au moins, je sais maintenant que c'est cet eyeliner, je l'avais reçu où? Je l'avais reçu celui-ci. Tu mets ton pied sur le fauteuil quand tu fais. Bah oui, je peux mettre mon pied, ça gêne qui? Ça te gêne? Voilà. Donc, les gens savent que tu leur parles en mettant un pied sur le fauteuil. Bon, ouais, je crois que les gens s'en foutent, non? Je crois que les gens s'intéressent aussi ou tu mets tes pieds? Je vous montrerai quand même l'eyeliner, on sait jamais. Ça peut quand même être intéressant si jamais vous l'avez et dites-moi aussi si ça vous est arrivé. Je crois pas que ce soit une marque hyper connue. Donc en fait, je vous explique le concept qui est dans ma tête là, ce que j'ai envie de faire. Le but. C'est de ne pas dépenser, c'est de ne pas consommer, de ne pas acheter. Eric va être content, je le vois, je te vois. Mais mon idée, parce que je sais que chez Action, il y a plein de choses qui te permettent, des dupes de grandes marques genre Maison du Monde, à partir desquelles tu peux faire d'autres créations. Donc le but, c'est de vous montrer quelques éléments et de les associer avec d'autres éléments toujours chez Action pour vous donner des inspis. Vous avez compris? C'est un peu compliqué, mais l'idée, elle est là. Ok? Donc, on y va. Je vais voir. Peut-être que ça va être un bide total, mais si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Fais un coucou avec ta main pour voir si tu es vraiment là. Ouais, tu es là. Je suis remontée vite fait dans ma chambre parce que je me suis dit que j'allais oublier. C'est celui-ci, en fait. C'est le Hourglass. C'est vraiment pas connu. C'est le Voyeur Waterproof. Je l'avais commandé sur Sephora. Voilà, donc je sais pas, c'est pas une marque hyper connue, mais si jamais il y en a qui connaissent, il y en a qui l'ont, dites-moi si ça vous le fait aussi. Ce ciel, rien à voir avec ce matin. C'est fou ça. Bon les amis, clairement c'est pas gagné parce que je me rends compte que j'ai perdu mon support, donc si je dois faire des démos et tout, donc il y a de fortes chances que peut-être je doive acheter quelques éléments discrètement. Je suis un peu précipitée. On va voir ce qui est possible de faire. Par contre, on va arrêter, hein, tout de suite, toutes ces tentations là. Des mètres et des mètres. Oh, putain, j'adore ça. Bon, déjà, avant que j'oublie, Eric, il m'a demandé de prendre. Oh, je sais plus.
c'était pour l'entretien de la maison. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, pour oui, ok, pour laver les vitres. Je me suis fait un petit stop en ville parce que je vais nous acheter, je pense, de petits sandwichs rapides, efficaces et très très bons. Ça sera tout. Ils sont en train d'être snackés. Et deux sandwichs curry, je crois, poulet, un truc comme ça. Ça va, bébé? Ouais. Bon, j'ai presque réussi. Et on peut dire que si j'avais rien acheté, tu n'aurais rien vu. Ok? C'est encore tout chaud. Hein. Tiens, hop. Regardez. Ce que je vous disais. Ça coule de ouf. Hein. Je suis pas en avance. Je vais me changer et puis je vais me tenter. Je vais me tenter quand même cette vidéo. C'est pas encore très très clair dans ma tête. J'ai les idées. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Donc voilà, je me change. Je me coiffe. Et surtout, j'enlève ça quoi. C'est un peu du tout. J'ai mis ça. C'est ma combinaison de pantalon Pretty Little. Je fais gaffe parce que j'ai mis une pince à... Comment on dit? Nourrice, c'est ça? Parce que sinon, c'est trop décolleté. Faudrait pas que ça s'ouvre et que ça me pique. Ouais. Je viens de terminer le tournage, il est 3h30. Bon, je pense que je pourrais pas la mettre ce soir parce que le temps de faire le montage. Mais il y en a partout, partout, partout. Je fais une pause, il est 4h40. J'étais à fond, j'ai essayé, j'ai pas réussi hein, de la mettre ce soir, mais c'est pas grave, sinon ça aurait pas été bien. Je voulais vous dire. Ouais, donc là, je pense qu'Eric, il voulait qu'on aille. Enfin, il doit aller avec sa fille ou il m'a demandé de venir avec lui, je pense, pour Leclerc. Après, je rentre, je fais ma petite séance de sport là. Hier, je l'ai faite aussi. Hein. Je sais pas si ça va faire grand chose, mais bon, moi je m'y tiens. Je me suis changée, hein, pareil. Ouais, c'est dur, c'est très très dur psychologiquement en ce moment, donc YouTube et tout ça, vraiment. J'ai cette impression de m'acharner, de me fatiguer, ça pompe énormément d'énergie, et en même temps ça me fait chier de me plaindre parce que ceux qui me regardent doivent venir, et je le comprends. Mais j'ai l'impression de bosser pour rien. Il faut que j'arrête de regarder les chiffres. Genre j'étais beaucoup beaucoup plus haut et là je suis à 250 euros. Parce que beaucoup de vidéos ne sont plus monétisées, ça fout les boules. Donc je m'épuise pour rien en fait. Alors je sais que les mois de janvier, février sur YouTube c'est pas terrible. Mais là, bref, c'est pas grave. C'était le moment un peu... Bad, bad, bad. C'est impressionnant ce... Bah, je suis en train de filmer. Tiens, filme par la fenêtre. Allez, Claire. Ah bah regardez. Ça, je vous l'ai déjà montré, mais... Ouais, c'est ça, c'est 29,99. C'est la prochaine que je prendrai. Wonder Woman. Jasmine aussi. Elle a l'air pas mal. Je suis très figurine, moi, et j'avoue, celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien faite. J'aime beaucoup. Avec cette info, j'avais jamais vu ça, ce rayon, c'est mignon. On n'est pas encore rentré à la maison, à faire des tours. C'est vrai qu'on a besoin des adhésifs pour mettre sur les vitres, pour pas qu'on nous voit en fait de l'extérieur. Comment ça s'appelle en fait? Ça s'appelle. C'est occultant. C'est pour mettre sur les vitres. Parce qu'on nous voit vraiment de l'extérieur. Et on a décidé que, mais j'ai peur que ça perde en luminosité, parce que moi j'aime bien, notamment pour vlogger, mais ils disent que non. Ils disent que non, préserve derrière, sans occulter, bon. T'aimerais bien lequel, toi? Soit ça, soit vraiment celui-ci, le plus classique, mais... Ouais, celui-là, il est sympa aussi, hein. Bon. Ouais. Je sais pas, j'aime pas ça. Ouais. Alors, si t'aimes pas... Bon. C'est assez lumineux, donc on est rentré. On va peut-être aller manger au resto. Peut-être au wok. T'en penses quoi d'aller au wok alors? Bon, bon, on va aller manger. T'as mis la lumière là. On a pris en fait ceci, donc occultant, pour mettre là, ici également, et ici. Et là, on va tester déjà ici. Non, c'est pas adhésif, c'est statique, auto-statique. Donc ça, c'est cool. Et celui-là, qui est beaucoup plus noir, il ira dans le bureau d'Eric. Bon, on fera ça demain parce qu'il faut nettoyer bien, faut tout installer nickel. Bah, les petites coursettes, je suis venue à mon truc.
au mixé vert. On n'a rien pas pris grand chose, hein. Des bananes que j'ai explosées là-bas, donc bah, je vais les prendre. Et j'ai pris ça. J'en ai plus, j'ai voulu. Ça, c'est très concentré, il en faut très peu, je crois. Pain de mie, et puis. Ah, tu t'es pris lequel? Axe. Ouais. C'est pas n'importe il sent bon celui-là? Alors, il sent pas bon. C'est pour homme, hein. Oui, bah, je m'en doute. Et regarde bien son nom, c'est. Carbon Shower. Carbon Shower. D'accord. Et c'est ça qui t'a fait kiffer. Il est noir. Non, mais c'est un truc qui est noir. Le gel douche, il est noir de chez noir. D'accord. Je peux dire, pour un homme, c'est le meilleur gel douche qui est. Pourquoi Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Il te sort des théories, mais il ne développe pas. C'est ça qui est drôle. Je te le dis, donc crois-le-moi. Crois-moi. Tiens, une question pour tes abonnés. Mais pas tes abonnés. Pour Les gens qui te regardent. Il n'y a pas que des abonnés. Il n'y a pas que des abonnés. Ça, c'est important, par contre. Les gens qui ont essayé ça, ils peuvent témoigner et tu auras des témoignages. Et toi, tu te laves avec quoi? Avec quoi tu te laves, mon Zaki? Hein? Oui, oui, ça sent comme... Je me lave avec du carbone. Il est de la même couleur que mon pelage. D'ailleurs, on dit pas pelage pour un chat. Tiquetage. Et sa robe ou son tiquetage. Eh ouais. Allez, on y va. C'est bon, bébé, t'es prêt? Ouais. À toi l'honneur. Merci. Nous sommes les premiers. Et franchement, il est quelle heure? 7h? 10 à peine? 10h15. Nickel. Me mettre, m'enlever ça quand même. Moi, je vais y aller. J'ai faim. Je vais manger. Je te ramène à des petits trucs pour ton apéro. Allez. Est-ce que ça te va? Très bien. Moi, je prends mes beignets de légumes à chaque fois. J'adore ça. Il est même pas 8h, mon trauma. Franchement, on est resté 35 minutes. Nous sommes de retour. Oh, on a mangé quand même très vite. Hein. 7h10 arrivé, 8h-10 reparti. Tu m'étonnes que lui comme moi, on se sent un peu lourd, copieux. En plus, j'ai mangé pas mal de choses frites. C'est vrai que j'aime bien, notamment leurs petits légumes, les beignets là, de légumes. Oh là 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 là. Mais bon, je fais gaffe parce que la plupart des choses, quand même, c'est assez épicé, même si à chaque fois, on me dit non, non, c'est pas très épicé. Bon, sinon, demain, vous allez retrouver ma vidéo déco que j'ai tournée cet après-midi. Voilà à peu près le programme. Je vous embrasse. Salut.